Bienvenue dans ce 15e épisode, et normalement c'est le dernier, je le sens là, je sens la fin, ça sent la fin de ce Let's Playon sur Medieval, et c'est déjà le dernier niveau, donc on va s'attaquer tout de suite au repère de Zarok, c'est parti. Ça promet d'être épique. Je vous promets que ça va être épique. Alors, grâce au petit train du chronographe, nous arrivons. Je vais essayer de pas mourir en chemin, ce serait cool. Au repère de Zarok. Nous ne te croyons pas capable de parvenir jusqu'ici. La rencontre finale avec Zarok t'attend à partir de maintenant. Il s'est entouré de ses gardes du corps surnaturels, mais tu peux encore faire pencher la balance en ta faveur en appelant les âmes perdues rassemblées dans ton calice. Place-le sur le bouclier au centre de l'arène. Que la chance soit avec toi, Daniel Fortesque. Merci, monsieur. Bon, bah, allons-y. Hein. Ça sent la fin. Ça sent le boss final. Donc, on n'a plus qu'à... qu'à y aller, quoi. Attendez. Déjà, on va regarder ce qu'il y a ici. Nous avons ceci qui va nous être utile. Et ça, on s'en servira peut-être un peu plus tard pendant un boss. Allons-y. Sœur Fortesque, mon vieil ennemi, on se rencontre à nouveau. Je vois qu'un siècle passé à nourrir les vers n'a rien fait pour calmer ta naïve obsession de libérer Galomère. Intéressant. Ok, une petite armée de drogues. J'arrête vraiment de jouer à Skyrim, moi. On a une jolie armée de Zarok, avec des boucliers à son effigie. Oh bah, Dracoin, c'est génial. Sœur à l'attaque, guerrier. Je veux voir les chiens gratter la moelle de ses os dans l'heure qui suit. Qu'est-ce que c'est que ça, Fortesque? Un porte-bonheur? Oui, on va dire ça comme ça, c'est un porte-bonheur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Enfin bref, il y en a beaucoup. Et voilà comment débute le premier boss final. Voilà. En fait, l'espèce de truc là nous sert à redonner de la vie à notre petite armée. Voilà. Donc forcément, moi j'en perds, mais c'est normal. Donc il va falloir apprendre à bien doser. Bon là, au début, j'en ai pas mal de la vie, donc ça peut aller. Un peu fouillé, mais vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est pas l'enregistrement ou quoi, hein. C'est vraiment que c'est fouillé, c'est qu'il faut courir, asperger tout le monde. C'est un petit peu complexe. Là, il est jaune, donc voilà. Donc la bataille dure quelques minutes quand même. On s'est arrêté un peu, hop, on va reprendre de ce côté-là. Voilà, comme ça. On redonne de la vie à tout le monde. Enfin, on essaye de redonner de la vie à tout le monde. Je pourrais vraiment attendre qu'il soit dans le rouge, mais j'ai peur de faire une bêtise. Bon, je les touche quand ils sont un peu dans le jaune. Voilà. Ah, lui il est mal en point. Là, il y en a des jaunes. Ils en ont déjà vaincu quelques-uns, donc c'est une bonne armée, on va dire. C'est vraiment pas mal. C'est un boss. Le boss final n'est pas vraiment juste avec un gros monstre à tuer. Hein. C'est vraiment assez complet. Eux, ils servent plus à rien. Parce que ça va pas se dérouler. Oups! Ah bah voilà. Attendez, on va changer vite fait d'arme. Mais je vois rien. Ah,
Allez, va chercher. Ah zut, mais je vais les récupérer, non? Je peux pas? Par contre, niveau bruitage, bof. Ah mince! Ça a toujours eu de la chance au combat, Fortesque. Montre-nous comment tu te défends contre mon champion, le défunt Lord Cardock. Les individus de ton espèce, ils les croquent comme des cachets de calcium. Ok, merci, génial. J'aimerais bien récupérer ma vie, s'il vous plaît. Oh. Pourquoi faut toujours que ce soit des machins en feu avec des super montures? C'est pas juste. Mais je veux récupérer mes fioles, moi. T'es même pas devant, hein. Oui, sois gentil. Allez, on va récupérer les fioles en essayant de pas mourir en chemin. Voilà. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a là. Voilà. Normalement, je les ai toutes. Hein, c'est bon. Ah non, il y en a une là. Ok, d'accord. Alors. Ok. Aïe. Bon. Lui, il faut attaquer à distance, sinon ça marche pas. Et il faut pas attaquer quand il se balade joyeusement, puisque il se protège d'un dôme, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Moi, je vais peut-être prendre des flèches normales. Essayer de bien viser, ce serait cool. Toujours ces problèmes de caméra, hein, mais bon, dans le monde, on fait avec. Allez, on va bourriner un peu, là. Allez, allez, bourrine, 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 bourrine. Voilà. Je récupère du bouclier. On le regarde. Ah, oh, loin. Allez, allez, allez. Non, on va essayer de pas trop... Ah, mais marche. Enfin, cours. Voilà, c'est pas mal. On maîtrise la situation, comme vous pouvez le constater. Bon, là, plus trop. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Oh là 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 là, je sais pas trop ce qu'il fait, là. Ah, mais viens là, toi. Je suis en train de gaspiller toutes mes flèches, en plus. Où qu'il est? Bah, mince, il est où? Il est là. Allez, allez, meurs, 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 meurs. Ah, non, pas trop non plus. Parce que j'ai envie qu'il me reste assez de vie quand même pour le boss d'après. Ça m'embêterait de mourir pour le boss final. Non, 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 non. Allez, meurs, voilà. C'est pas mal. Voilà, ça c'est fait. Pour la suite, je sais pas du tout ce qui m'attend. Ça suffit. J'en ai assez de toi et de ton impertinence. Ah. Notre jolie fille s'en va. Où est ce sortilège? Ah oui. Non, pas celui-là. Photocopieuse. Oh, oh non, pas maintenant. Ah, je le tiens. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que cela va être? Sympa. Comment dire? Il a l'air amical. Personne ne vaincra le puissant Zarok. Prépare-toi à mourir, Fortesque. D'accord. Ok, wow, c'est parti. Ouais. Putain, j'avais pris une flèche dans la tronche. Alors les charges, c'est quelque chose qui va beaucoup servir, je sens, si mon écran ne se met pas en...
Ok, d'accord. Si on fait comme... Waouh! Attends, si la visée automatique ne se gourre pas en chemin... Waouh, ok, d'accord. C'est pas un boss très dur, en fait. Enfin, je pense que c'est pas un boss très très dur. Ah, zut, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Écoutez, à l'arc, je pense que c'est une pas mauvaise idée. Alors, on va rester comme ça, le temps de... Ouais, c'est même une très bonne idée, je trouve. Faut faire attention, quand même. Voilà, vous savez quoi? On va faire comme ça. Faudrait peut-être éviter le truc vert, là. En plus que je sais pas trop quel dégât ça peut infliger, ça pique beaucoup ou pas beaucoup. Et s'il pouvait éviter de me... de couvrir très vise. Oh là là. La visée, par contre, vu qu'elle est automatique, ça dépend pas trop de nous et c'est assez embêtant. Je reste calme pour un boss, c'est assez exceptionnel, hein, parce que le boss, au début, j'avais vraiment pas envie de le faire. C'est aussi pour ça que la vidéo était retardée, parce que j'avais peur de me planter complètement. Wow. J'espère par contre que le boss va pas changer d'attaque en plein milieu, ça me déstabilise vraiment ça. Ok, oh là là, ah ouais quand même. Wow. Alors on va faire quelques charges. Pourquoi il se balade comme ça? Pourquoi tu fais ça? Arrête! J'aime pas, arrête! Allez, allez, crève! Ah allez, 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 allez! Casse-toi, casse-toi, casse-toi avec ta bave verte là, c'est moche! Waouh! Et encore, j'ai eu chaud là. Allez, meurs! Allez! Ça va, on l'a presque fini, vous vous rendez compte? Je crois qu'on arrive vraiment à la fin. Mais une fin assez sympa. Et voilà. À coup de flèche, quand même. J'espère qu'il me reste assez, par contre. Attendez, par curiosité, on va aller voir. Oh, bah, genre, largement. Ça va le faire. Voilà. Oh là là là, par contre, je le sens mal. Oh pur, waouh, ah ouais d'accord. Moi je conseille de pas rester là. Waouh, ok. Ok, d'accord. J'ai compris. Sauf que la fin, vers la fin, s'il me laisse pas le toucher forcément. Écoutez, j'ai plus d'armes. Flèche de feu. Ah non, merde, c'est pas une bonne idée. J'ai quand même pas mal de vie comparé à lui, donc ça... Waouh. Ouais, heureusement que les charges sont là, la course comme ça en charge, c'est vraiment très très utile. Ouais d'accord, les flèches de feu sont encore meilleures. Je sens que ce boss va être un petit peu long, mais assez épique. J'ai très très mal aux doigts. Très 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 mal. Waouh. Allez, allez, crève. Oh là là, dommage. Ça vous fait un peu de suspense avec la musique qui est passablement... Ah mince, qui est passablement géniale. J'espère que vous aurez apprécié. Et d'ailleurs, j'ai mis... ma préférée reste celle du mausolée de la colline que j'avais mis... que j'ai mise dans ma présentation de Gear Network. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi à force de parler, ça me déstabilise. Ce serait dommage de perdre un si bon chemin. Allez, mais fais ton attaque, là. Ah non, c'est pas ça. Oups. Je sais pas du tout à quoi elle sert son attaque, mais je suppose qu'elle doit faire méga mal si on se tient trop proche.
Oh là là, quelle musique. Allez, il est où, il est... Allez, mais allez, fais-moi une attaque, là. J'en ai marre de tes attaques de bave, là. Je ne peux pas te toucher si tu fais ça tout le temps. Faut que tu te calmes. Ah, 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 ah. Allez, je pense que la la dernière pourrait être la bonne, peut-être. Allez, mais meurs, là, j'en ai marre. Tourner autour comme deux cons, là. Ah oui, ah non, 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 pas ça. Allez, accélère. Ouais, d'accord. Sois gentil, allez. Waouh. Oui. Ah. Maudit sois-tu, chevalier. Je suis fini. Pourtant, si je dois échouer, personne n'en réchappera. Tu es condamné, hein? Fortesque. Tu ne quitteras jamais ce domaine. Quoi? Mais Oh oui! Oh, c'est génial! Excellent! Et voilà. Et voilà. Je crois que... Eh bien, c'est la fin. C'est la fin de Medieval. C'était un joli let's play que je vous ai proposé. J'espère qu'il vous a plu parce qu'il fut super agréable à tourner. Bon, on a eu quelques petits ennuis parce que je suis pas très douée, mais bon. Que serait un let's play sans une petite brêle pour jouer, hein? Eh bien, en tout cas, je vais peut-être pas des remerciements, parce que j'en ai pas pour non plus 3 ans, mais je suis très contente d'avoir terminé ce premier let's play de la série, de l'émission Let's Playon, parce que ce sera une émission, il y aura plusieurs épisodes, plusieurs saisons, je veux dire, donc s'achève ici la première saison. C'était vraiment un let's play pour me mettre à l'aise, et j'en suis vraiment très très contente, parce que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et j'espère aussi que Medieval vous a beaucoup plu, parce que c'est un jeu vraiment très 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 important, parce qu'il m'a beaucoup beaucoup plu, c'est mon jeu préféré, le jeu que je préfère, et je suis très contente de vous l'avoir montré en let's play, et puis j'espère que ceux qui ont commencé à regarder continueront à regarder les épisodes qu'ils n'ont pas encore vus, puisque ça met du temps à regarder un let's play, je sais aussi que c'est dans la durée, que c'est je les ai sortis comme ça au début, enfin là ces derniers temps j'ai pas pu tous les sortir non plus d'affilée, mais ça s'est plutôt bien déroulé, et je ne sais pas encore quel jeu je ferai prochainement,
pour les prochains let's play. Dans quelques jours, je m'attaque à un prochain TPS test, donc j'espère qu'il vous plaira aussi, parce que ce sera un très bon jeu que je vais vous présenter. J'espère que ça vous plaira. Et je remercie les gens qui regardent mes vidéos, et je vous invite également à partager, si ça vous plaît, hein, bien sûr, parce que j'estime que c'est une bonne idée de partager tout cet univers d'expérience vidéoludique qui se fait sur Internet. Je trouve ça super intéressant, et que tout le monde se partage un peu cette passion du jeu vidéo, qui est une grande passion très très qui commence à être très importante dans la culture en général, et oui, qui est vraiment vraiment pas mal. Et donc je vous invite déjà à commenter, vraiment à me donner vos avis, parce que c'est super important, que ce soit sur ma manière de parler, ma manière de faire, si le montage vous convient, hein, pas de problème. Et pour les remerciements, j'aimerais me remercier bien sûr grâce à mes petits copains d'Anton Productions, c'est ce qui m'a poussé à faire tout ça, et également tous ceux qui me suivent depuis le début. Et je vous remercie énormément, c'était Mielis Tepes pour vous servir, et avec un grand plaisir. Bye.